Ah, c'est vrai, dans les jeux de Pokémon, ils ont rajouté une évolution à un sécateur. J'avais oublié. Truc que personne n'avait demandé, mais. Allez, on va déplacer Bogos un peu, ouais, on va en prendre Kanojo. Ça va, j'aime bien sa nouvelle évolution. Ah, il est pas dégueu, mais c'est vrai que. Putain, le pauvre Copan aussi là, on va remplacer. On va dégager Shad un peu, on va reprendre Copan. Shad. Hop. Pas mal le Mew. C'est vrai que j'ai appelé mon Melocric Zikos. Hop. Ouais, mais c'est qui Melocric du coup? Hop, et une Ako. Coup de langue. Hop. J'espère qu'il verra ça un jour. Hop. Tac. Franchement, je pense que je suis un peu teinté. Il est en train de mourir. Ça va, les mecs? Le mec qui crache ses poulons. Ah, est-ce que, vaccin, c'est ça, ça va, je est-ce que techniquement j'ai perdu un privilège vu que je ne suis plus en bonne santé physique? Oui. Tu as été un privilège. T'as été nerf. Mon petit tabac. On a nerf. Mon petit tabac. Moi, ça me plaît pas. Regarde, Copan. Tue ce bébé. C'est super fils. De toute façon, il va se barrer. Il va se barrer, le bâtard. Je rappelle que si vous êtes non fumeur, c'est un privilège aussi. Je l'ai rajouté moi-même. Ah bon? Je savais pas que j'étais à ce point privilégié. Je sais que si vous aimez la 4G de Pokémon, vous êtes un privilégié. Par contre, que, si vous aimez la 6G, c'est un handicap. Mais non, en fait. Mais toujours les mêmes Pokémon là. Par contre, c'est des bâtards. Soleil et Lune, c'est un jeu que j'aimerais bien refaire, mais genre trop la flemme. Le tuto. Le tuto qui dure 5 heures, ouais, non, merci quoi. J'ai jamais dépassé le tuto parce que j'en pouvais plus. Bienvenue. Ah, Mathis, on serre la main. Ça m'énerve parce que le jeu est cool quoi. Il avait vraiment essayé de trouver un truc, mais. Je me souviens avoir fait la première épreuve et genre après, j'en pouvais juste plus. La même. Bon, parce que le jeu il devient hyper bien après, mais le tuto est tellement long. Le Pokémon de trop. Alors que dans le chat Pokémon épée ou bouclier, quand le tuto est bien, tu peux juste dire. Ouais, enfin dans épée ou bouclier, dès qu'il se passe un truc dans l'histoire, on te dit ouais non mais attends, moi je m'en occupe, toi va faire tes arrêts. T'inquiète pas, mon gars. Ah ouais, trop quand tu rentres dans le tunnel et que tu ressors, il fait oh putain, il s'était passé un truc de dingue là. Oh mon gars, c'est le sketch du hors-champ dans le générique. Ah, dommage que t'étais pas là, mon gars, franchement. Ouais, ce qui me tue, c'est genre à la fin, tu fais ton match de ligue et tout, et puis d'un seul coup, t'as Cyril Hanouna qui apparaît sur l'écran, et tu te dis ouais, j'ai déclenché la fin du monde, allez, voilà. Salut. Ah, mes petites beautés, je vais interviewer Eric Zemmour finalement. C'est vraiment la fin du monde. Hein. Après, on te dit ouais, bon, finalement, c'est à toi d'aller sauver le monde, hein. C'était bien les matchs d'arène maintenant, vas-y. Oh, mais et la team, on parlera pas de la team de jeu, mais. T'as même la team Sky, c'est un chef d'œuvre. Je pense que la pire de la série. La team, l'anime qui a dû se renouveler, t'as vu, il y avait pas de team. Ah, mais oui. Ah, c'est en duel avec la team Flair pour savoir si c'est laquelle la pire. Non, la team Miel, elle est inexistante. Au moins, elle est marrante, celle-là, punk. On parle de celle de épée, pas celle de soleil. Ah, oui, non, parce qu'ils étaient. Celle de soleil, c'est des meilleures de la série. Ouais, c'est vrai, j'étais étonné. Je me disais, vous avez fumé. Ah non, elle est en fait, super, j'ai l'impression ils ont essayé de reproduire ça, mais ils ont pas réussi. C'est clairement une tentative de refaire la même. La team Miel. Par contre, les persos autour du protagoniste épée, c'était bien. Genre le rival. Ouais. Le rival qui a même triche et se fait éliminer de la ligue, genre. Bah, surtout BD quoi. Attends, ouais, il a triché. C'est quand qu'il triche? Bah, à un moment, il fait une connerie dans l'histoire. Je crois qu'il essaye de pulvériser un mur et tout, je sais même plus pourquoi. Ouais, du coup, là, moi, apparemment, je retenterai la prochaine fois. L'autre rival, là, le. Oui, le blanc, le blond, là. Le mec avec les cheveux. Oui, moi, j'ai cru que tu parlais. Le Kanozu, là. Nabil, qui n'a rien demandé à personne. Ah non, Nabil, non. Nabil, c'est Shonen, il a un arc dépression. Ouais, par contre, Nabil, il était bien. Genre, les gens le traquent, mais en vrai, il était bien. Ouais, en plus, à la fin, il devient prof et tout, quoi. Genre, vraiment. Il est genre dans l'ombre de son petit frère, de son grand frère et tout. Et il décide enfin de choisir son propre chemin et tout. Peut-être que je le ferai à un moment, ce jeu. J'ai pas trop la flemme. Ah, mais en vrai, il est. Bon, l'histoire est pas géniale, mais il est. Ouais, les persos sont cool, par contre, l'histoire elle est claquée. Oh, il y a l'histoire.
Genre le moment où t'es dans le resto, il y a une fresque, genre ça fait avancer l'histoire. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, bah, ça, t'as l'impression, le jeu, il a jamais le temps de se poser, quoi. Et à la fin, c'est vraiment... À la fin, c'est, c'est le pire, quoi. Bon, c'est surtout mais les déjà, dans le dev, hein, surtout, c'est, non, mais... c'est pas normal. Hein. Non, mais à un moment, il y a tout qui se lance parce que, genre, t'attends le frère pour manger au resto et, genre, il est pas là, alors tu décides de prendre d'assaut une tour et tout. Cyril Hanouna, c'est ce que je sais. Les gens ont d'abattre des trucs et le jeu devait être un truc complètement différent à la base. Hein. C'est... Oh, le mec, j'ai réveillé Eternatus, mes petites beautés. Ah, bah, c'est littéralement ça. Mais rien que la dernière arène. C'est le mec dragon, il vient te chercher, il fait viens dans une salle avec trois mecs, s'il te plaît. Ah oui. Mais c'est cool parce que la ville où il est, elle est trop bien. Bah, ouais, c'est ça, mais t'as pas d'arène. Bah, la base de la Team Yell, là, c'était clairement une tentative de reproduire celle de la Team Skull. Hein. Ouais. Sauf que la Team Skull, leur poste, il était marquant, en fait, t'avais toute une ville et tout. Bref, voilà l'histoire des pays boucliers. Ouais, il a un crado po, lui, donne-le-moi. Il faut bien un crado po. Partie de DLC, crado, donc qu'est-ce que c'est. Ouais, l'histoire dans le DLC, elle était bien. Pour le coup, beaucoup de trucs qui étaient que je voulais dans le jeu de base, ils sont arrivés que dans le DLC, genre. Ouais, c'est un peu dommage. Des grandes zones ouvertes, un truc un peu plus. Oui, c'est ça, là, toute la map c'était une zone ouverte, c'est ouais, 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 être genre, le jeu de base en fait. Mais... Si t'avais plusieurs sous-histoires, tu peux commencer dans l'ordre que tu voulais. Hop là, voix, c'est les mecs, plus je suis triste. Bah, un peu moi là. Hop. Je ronflais, tu dis. Eh non, je suis en train de dormir. Yaha. Même le modèle 3D de la Pokéball là sur le sol est vraiment triste. Benzaï, regardez les yeux là, ils sont du 140p là. Les yeux, ils sont flous. Ah. Meditica. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, Meditica. Mais non, il est trop flou. On dirait qu'il a une couche, arrête. c'est un oignon. Ah oui, c'est un oignon, j'ai jamais capté. Je sais pas. Les ogres sont comme les oignons, ils portent des couches. Dans Pokémon Légende, vous prendrez qui entre Brindibou et Ressandre et Bouty? Oh, le choix est dur, hein. Je sais pas qui choisir. Entre qui je pense, je vais prendre Brindibou, si jamais. Ressandre et Moustillon. Bah, putain, c'est que des starters que j'ai pris en plus, du coup j'ai trop le seum. Ouais, mais genre, Brindibou et Ressort, je sais pas, les deux sont petits. Alors, c'est vraiment que des starters que j'ai pris. Moustillon, tu l'as juste pris parce que c'est le seul qui est sauvable, quoi. Enfin... Dans la 5G. Ah ouais. Par contre, là, je suis pas d'accord. Ouais, il y en a plein qui aiment la Vipelière. Moi, je me sentais un petit peu seul à l'époque. Non, je dis des conneries. Non, attends. Non, c'est le. Ah, tu confonds avec Greninja, je crois, non? Oui. Alors, Moustillon, c'est 5G, c'est le. On te contredira pas. C'est la loutre. Ah non, mais c'est plus dégueulasse lui! Mais le tout mignon! Non, le plus dégueulasse c'était le cochon. Non, le cochon c'est pas une base hein! Ah, le pauvre Grikoui, quand il évolue, il est dégueulasse hein! Il est vraiment immonde hein! Genre, ça a déclenché. En fait, ça a déclenché le même des Pokémon feu qui deviennent dégueux quoi! Genre, c'est vraiment. Qui deviennent feu combat. Il est en mode non, reste à quatre pattes, non! Que ça avait pas beaucoup changé, c'est un peu... De ouf. Putain, mais les feux combats, les feux combat, j'en pouvais plus, mec. Plusieurs générations qu'il y en a plus, hein. Genre le dernier, c'était noir et blanc, je crois. Parce que... Attends, c'est robuste, il est pas feu combat. Non, il est juste feu. Non, il a pas d'attaque combat, hein. Il fait l'inferno, il est quoi? Il feu ténèbres. Mais pourquoi ils en faire un combattant dans Smash Bros? Pourquoi c'est un... Oui, il a que des techniques... C'est un putain de catcheur. Ouais, c'est un catcheur. Ouais, c'est un catcheur, mais c'est le truc, c'est type ténèbre parce qu'il triche, genre il balance des chaises et tout. Ah oui. C'est oui, c'est vrai que le type ténèbre, je me souviens qu'en japonais, c'est plus type méchant, type plus... Ouais, c'était rigolo comme... Vicieux, quoi. C'est un petit malicieux. Bah, ça va, c'est original. Non. Oh bah voilà, on espère des bourgeons Pokémon avec une belle histoire, ce serait cool. En plus, Moustillon, j'étais content parce que Sacha il avait pris Moustillon dans l'album. À l'anime que tout le monde a oublié. Par contre, oui, c'est le pire anime de l'univers. Ouais, ok, oui. Oh là là, qu'est-ce que c'était du léniche. Ouais, j'ai dit, je pense que je prends Ericsson, ça fait très tout le monde l'a collectivement oublié cet anime. Ericsson, c'est vraiment le. Tu sais qu'il est moins d'amour. Et le starter la 2G. Le méganium que tout le monde déteste. Le méganium est trop moche aussi.
Putain, Liganium, y a personne. Ponyta qui évolue au niveau 40, la flemme quoi. Nous rompichame. Bon, la Pokéball. Tu pourrais mettre les formes de Galar. Ah, plaque point. Trop bien, on pourrait mettre Arceus de type Oval Magique. Moi quand je meurs. Ouais, tu chopes déjà des plaques. Ouais, ouais, tu les trouves facilement les plaques. Hein. Tac. Alors que techniquement, ouais, il me semble c'est des parties de lui les plaques. Putain, mais alors, il est même pas encore en mode. Il commence à vibrer, mais si on bat les couilles, l'œuf. Il fait sa vie. Mais c'est un œuf qu'on t'a filé, je crois que c'est genre. Ils sont beaucoup non, spoil pas. Ah non, mais je sais plus qu'il y a dedans, mais je crois qu'ils sont beaucoup plus longs que ce que. Je dis, entre, Arceus, en fait. Je me dis, c'est peut-être Yolu ou l'Orthogepi. Tu l'as eu sur l'île de fer? Non, spoil pas. Spoil pas. Mais t'as joué les jeux? Tu l'as eu où? Mais je m'en souviens plus, ouais, les jeux. Mais je, mec, je l'ai fait il y a 15 ans, les putains de jeux. C'est bien. Bah, le jeu il est sorti il y a 15 ans. Ah, bah, recommence pas ta gueule! La vie de bazar! Il m'énerve! Il y a que de colère et de. Il y a 15 ans! Je vous avoue, vos règles! Mais j'ai pas imposé des règles, moi, c'est toi qui t'invoque des règles tout seul. Je crois que c'est bien bien après l'île de fer. Non, c'est Amine qui m'a imposé des règles. Vas-y, Amine, spoil! Mais je me souviens plus, l'œuf c'était quoi? Il l'a eu où? C'est ça que je te demande, tu l'as eu où l'œuf? Union Police. Ouais, non, bah, c'est pas là. Aucune idée. Puis l'île de fer, c'est bien après. Moi je sais ce que c'est. On ne fait plus. Oui, non, pour bah, c'est. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un Togepi dans. Mais c'est dans la 2G ça. Oui, c'est dans la 2G qui te fait. J'ai juste piffé, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, j'ai non, mais ça se trouve, ça va être un vieux ratata. Ouais, Kadabra. Ah, bah, je serais content là. Let's go, mec. Je me souviens du ratata d'Alola, il était stylé lui. Il y a toujours le spectrum qui évolue pas apparemment, ça fait dans les... J'ai convenu les ratata et ratatak d'Alola en l'air. Et toi, t'as pas de goût, c'est tout. Ils ont mis, ils ont juste texturé, c'est un color. Ils ont des moustaches, elles sont magnifiques. C'est pas grave, c'est comme le topiqueur d'Alola, il aura acheté 3 cailloux sur la tête et c'est un design. Non, c'est Brice de Nice, c'est Brice de Nice, mec. Quand il évolue. Et le oui, topiqueur d'Alola. Bah c'est Homer Simpson, ouais, au début, oui. Moi je trouve ça trop drôle comment le... Le ratata mexicain, officiellement dans le lore, il a été chassé par le Pokémon qui ressemble à Donald Trump. C'était vraiment la meilleure vanne qu'il pouvait faire. Oui. Alors tout le monde avait appelé l'autre Pokémon Trump quand il l'avait capturé. Chaque goutte de soir que je verse me rend plus puissant. Alors que c'est censé être un détective, et je trouve que pour un détective c'est trop stylé, mais malheureusement tout le monde pense à Trump. Bah oui. Etienne le karatéka veut se battre. Attends, non mais déjà là tu m'apprends un truc. Ouais, c'est un détective, mais en fait il a la coupe des détectives et il tire ses mains en arrière comme quand il a pêché. Détective Pikachu. Tu vois Gumshoe dans Exetornaire, c'est le même genre de perso. Ouais, tu t'exprimes dans une langue que je ne comprends plus. Bah, détective. Ouais, détective. À quoi il ressemble. Oui, je vois Exetornaire. Leur élite Exetornaire a fait un immense concours pour savoir qui était le meilleur perso de toute la licence. C'est dit Gumshoe. Et Gumshoe est en finale. Ah putain, ça c'est beau ça. Ah, il est évidemment. Face à... Mais franchement, je préfère qu'il perde parce qu'il est quand même face à un de mes persos préférés, à savoir. Oh, mais moi c'est mon perso préféré. il est face à The Best. Bah écoute, moi je découvre que donc le Pokémon Trump s'appelle Argoust. Ça vient de Mangoust et de Argousin. Argousin qui veut dire flic en ancien français. Mais non. Oh, putain, mais. Mais... Non, mais les mecs, c'est trop chaud, les traducteurs. Faut trop que je fasse l'investigation, parce qu'il est là présent dedans. Que oui, mon gars, c'est sa meilleure joueur. Ouais, du coup, l'autre perso, au final, c'est le procureur d'Investigations 2. Mm. Qui est un des meilleurs persos de la série, putain. The Best. Pas The Best, putain. Ah, effectivement, il a le meilleur caradev de la série, donc. Mais c'est le, mais... J'avoue que le duo, enfin, la finale Gumshoe The Best, on pouvait pas rêver mieux. Hein. Je pense que je vote The Best quand même, parce que son caradev, il m'a fait chialer, hein, c'était un truc de fou. En fait, ça me fait hyper rire parce que le concours. Ah le concours en lui-même, même si tu sais pas si. Quick évolue. T'as fait l'Investigation 2, Anne. Oui, j'ai tout fait. Attends, je vais te le dire en. Il va tirer le meilleur Pokémon d'Akadjé. Et attends, son forme finale. Je vais t'envoyer les. Est-ce qu'il est flotté? Je vais trop. Edgy. Quick le quoi, que là, je repense juste au Luxray qui meurt dans le film. Je sais plus lequel c'était, mais genre il meurt dans le froid. C'est Lucario, ses yeux qui voient à travers tout lui permettent de repérer ses proies cachées en les capturant. C'est celui de Lucario où il meurt dans le neige. Non, c'est pas Lucario. Non, c'est dans le film de Lucario. Non, c'est pas celui-là. Non.
Non, c'est dans un des derniers là, c'est un espèce de remake du, du début de l'histoire de Sacha, et genre il rencontre un mec de Sinnoh, et à un moment le mec il se paume dans le froid, et genre il y a le Luxray qui le maintient en vie, et il crève. Ouais. C'est pour les enfants. Dans le froid, ouais. Et, voilà, c'est super joyeux. Hein. Pourquoi ils font ça, c'est pour les enfants? À côté il y a Team Rocket qui essaie d'attraper Pikachu, mais qui rate, donc c'est rigolo. Faut pas en faire trop. Ouais, c'était les 16 finalistes. Mais du coup, t'as un perso que si t'as pas fait le jeu, tu te demandes vraiment pourquoi il est là. Ah, parce que ouais, sinon, ouais, il est quoi. Il est énorme spoiler. Hein. C'est un immense spoil, du coup. Zvari, la hype, il est un peu surcoté quand même. Oui, je sais pas trop où ce qu'il foutait là. Il était un des premiers. Non, mais enfin, pas, il était dans les. C'est, dans pour les... c'est pour son thème. Il a peut-être été top 8. Zvari. Le méchant de l'affaire 5 du premier jeu, on s'en bat les couilles en vrai. Et les autres, le méchant de l'affaire 5 du premier jeu. Non, t'es malade. Oh, franchement, toute cette affaire, il est moi. Ouf. Cette affaire, je trouve osée pour possible. Oh non, moi je trouve giga. Il y a une différence dans DGS en plus. Il y a Von Karma ou pas dans le top? Non, il y a du TNT. Non, bizarrement. Alors qu'il est excellent. Ouais, je suis trop le, le daron Von Karma, il est incroyable. Mais il a duré assez longtemps. Il y a Black Will par contre, alors que bon, il est pas. Non, pareil, je le trouve. Franchement, tous les finalistes, je les trouve cool. Hein. À part Zvari qui fait bon, je me demande un peu ce qu'il fout là. Et mon père. J'aurais fait un peu top différent. Tiens, voilà. Oh, qu'il y a Dragon, là on parle. Après, je sais que le Reddit est biaisé parce qu'ils adorent les investigations. T'as vu Bad ou pas? Putain, les images sont trop drôles. Ah, c'est trop envie, l'image de Bad. Ouais, il y a un whistle, il y a un champ en feu. Ouais, un siège. Hop. Vas-y, copain, tue ce champ en feu. Voilà, parfait. Pas très gentil que tu aies évoqué l'un des autres. Ils ont qu'à pas m'agresser. Je me demande si le joueur faut pas dégager avant de varier, c'est quoi ce bordel d'ailleurs? Oh mais putain, mais Luxray me le fout. Moi je suis pas très fan du Pokémon en vrai. Oh. Oui, Luxray c'est un des préférés avec le jeu. J'ai des goûts difficiles. Une team valable, hein. Dans la 4G tu fais toujours la même équipe. Hein. Karchakro, Luxray, Étourvol, enfin Étouraptor. Oh, la base. Ah, les plus assidus auront un Roserade dans leur équipe. Moi j'avais. J'avais un Magirem. Oh, champion. Très assidu. Respect. Alors que c'est galère à avoir de mémoire, c'est vraiment galère. Alors que le chat tar énorme. Jamais. Il a vraiment aucun charisme. Il a un gros pif, c'est tout. Genre, j'ai un soft spot pour Elekab que j'aime bien. Ouais, mais il y a à obtenir avec l'évolution et tout. Ah, il y avait aussi Noctunoir. Ah, oui, mais Noctunoir, il a eu. Bah, surtout depuis. Avec les Donjons Mystères. Il est base dans Donjons Mystères, surtout quoi. Surtout. Putain, mais on peut pas avoir Magirev si on n'a pas la version perle. Moi je me le ferais échanger. Ah non, je pourrais pas avoir l'incroyable Oursaring. Après, les meilleurs Pokémon sont toujours sous, il faut échanger pour les avoir, hein, c'est casse-couille. Je suis bien d'accord. Genre à la Kazam, Ectoplasma. Ah, mais quand t'en repenses à la 1G, comment ils t'avaient bourré pour que t'achètes le câble Link, les bâtards. Mais les meilleurs Pokémon dans la 1G sont tous en échange. Ah, tu le veux ton Maconeur? Ah bah non. Ah, tu le veux ton... Tu le veux ton Ectoplasma. Les meilleurs, hein. Tous par échange. Pareil, Grolem aussi. Ah, tu le veux ton Grolem? Ah bah non. Mais après, qui veut Grolem aussi? Ouais, mais c'est ça, ils avaient tellement fait des évolutions au pif avec les échanges. Ah, on révolue. Ressemblant. Alors, on parlait d'ectoplasma. Moi, j'en avais pas de câble Link. Ah, j'en avais pas non plus. Je connaissais pas. Ah ouais, j'étais trop petit pour savoir ce que c'était quand j'ai joué à l'époque. Puis ma mère avait peur que je me la fasse voler par des poux. Ouais, ici, con. Hop là. Le Spectrum. Bravo. Putain, le Grolem d'Alola aussi, c'était quelque chose. Hein. Spectrum, trop stylé, Spectrum. Avec sa vieille barbe là.
Quel traversé n'importe quel obstacle, ce Pokémon se glisse dans les murs pour chercher ses ennemis. Encore une petite forme régionale de l'Antami Fantominus Pokémon. Ouais, moi j'aimerais bien. Mais il y a des formes d'Alola qui sont. Ah ouais, pour moi c'est pété ça. Enfin, des formes régionales en tout. Genre déjà là, le nouveau Zorua et Zorua. Moi, j'ai oh, Zoroark de Isui, il est magnifique. Absolument dans mon équipe, lui. Dommage que son lore soit ultra déprimant. C'est un Pokémon Spectre. En fait, c'est le meilleur type Spectre. Tout le monde le sait. Ah bah je vais pas te contredire là-dessus. Hein. Il se souvient quand les gens pensaient que Zoroark c'était un légendaire. À cause du film. Ouais, en même temps, il nous l'avait bien teasé. Il nous l'avait bien teasé, les 5. C'était le premier Pokémon à 5G à teaser avec une petite ombre. Surtout qu'il était pas donné par. Par quel autre. Après, il te le donnait. Moi, je l'avais. Non, il y a un event dans le jeu pour le shop. Et tu peux l'avoir qu'un seul. Et du coup, les gens se disent, bah, c'est un légendaire. Il est rare et tout. Et bah, non, en fait, parce qu'après, t'en chopes autant que tu veux dans les autres jeux. Alors, je me souviens que fallait que tu récupères un Celebi de Heart Gold. Après, il fallait que tu ailles voir le Zoruia et le Zoruia se dévoilait. Puis après, une fois que t'as le Zoruia, tu pouvais choper un Zoroark, un truc comme ça. Alors, moi, je l'ai reçu par Micromania. Et t'avais aussi un. Ah non, je crois que le Zoroark. Le Zoroark, c'est avec les trois chiens et le Zoruia, c'était avec le Celebi. Ouais, moi, j'avais les trois chiens, donc j'avais dû avoir le Zoruia ou le Zoroark. Bah, moi, j'avais fait tout parce que j'avais tout pour Heart Gold. Moi j'avais loupé, j'avais eu un seul des deux cas mystère, j'avais loupé. Oh, le Heart Gold, les chiens, c'était pour la sortie du film. Oh, le meilleur event de Heart Gold où t'as remonté le temps avec Celebi et du coup tu faisais le combat toi pendant que toi t'étais dans la tour radio et du coup tu voyais ce qui était arrivé à Giovanni pendant que toi t'étais dans la tour radio. C'était un truc de bâtard parce que si tu pouvais l'avoir qu'à une seule occasion. Ouais, c'est ça. Tu allais transférer un Pokémon spécifique qui te donnait qu'en event et le donnait une fois. Voilà. Si tu l'avais raté, t'étais baisé. Comment j'étais heureux. Après, j'ai vu le Pichu 3 épis aussi là. La petite forêt avec le Pichu Shiny là. C'est trop mignon. En fait, non. En fait, non. Alors, en fait, non. On est à Voilà Rock, voilà. Rock. Ouais, pour Zoroark, dans Noir et Blanc, il fallait transférer Raikou, Sekai no Itu, Chromatique. Mais je t'ai dit que moi j'ai pas fait ça, hein. J'ai reçu ouais, c'est un ça. Micro. Ah oui, c'est il est trop en plus. Mais si, c'était ça, c'est la méthode officielle, hein. Oui, la méthode officielle, mais moi, Micromania, ils m'ont donné. Ah ouais, je vais à game, donné, c'était à game aussi du coup. J'ai chopé les trois chiens avec les petits codes là. Non, c'est en ligne. Fait que tu y ailles tous les mois là pour récupérer ton petit code. Ouais, c'est les gens qui veulent t'empêcher de passer. Hop, alors. On va fouiller. Ah, Voilà Rock. Voilà Rock est la capitale de la pierre, on a même des météorites. Wow, ah ouais, j'ai rien à voir ça. Pour éviter le coin mode qu'il y a de voir dans le quartier. J'aime bien comme les mecs de la Team Galaxy se baladent tranquille. Voilà, on a des rochers. Au veux-tu, en voilà. Fameuse météorite de Voilà Rock. Aurait pu être une excuse pour avoir un event Deoxys. Mais là, c'est la championne de Voilà Rock. Méga Ruby, ça. Celui de Archant. Et Chimera, c'est celui. Par contre, dans celui-là, t'as encore les pierres pour le faire changer de forme. Ils sont tous super forts, j'arrive pas à l'achever. Deoxys pour le coup c'est vraiment celui où j'ai jamais pu la voir parce qu'il est toujours très très énigmatique. On tient encore le météo en regardant la télé. Deoxys ? Deoxys ouais, parce que j'ai pas fait Omega Ruby. Moi non plus. Hein. Il le donne pas souvent. Hein. Légendaire, mais donne pas vraiment, souvent. C'est, je pense que c'est le plus rare de tous. Hein. La peau. Bah j'aime bien, ça garde. Au moins lui il garde son aspect. Des alors hein, il a 5 formes le bâtard. Hein. Quand je les vois je me dis que c'est. Il a 4 ou 5 formes différentes. Non il en a 3 je crois. En 2 et sans doute vrai. T'as celle de base, t'as la vitesse. Non mais t'as normal, vitesse et défense, hein. C'est attaque, oui, vitesse, défense. Ouais non c'est attaque, vitesse. Pokémon apparaissent sous différentes formes, à ceux qui veulent vraiment le savoir. Alors, je vais quand même vérifier. Normal, attaque, défense, vitesse, ouais 4. Voilà, parce qu'il a normal aussi. Hein. C'est un peu le joueur du grenier finalement. Le mec il a 4 formes et il le rend impossible à avoir. Attends, parce qu'avec Simaka, j'en perds le sommeil. C'est, des seuls que c'est quoi ces trucs pointus sur le grand bâtiment? C'est une nouvelle tendance architecturale ou quoi? En vrai, je le trouve trop stylé, mais en même temps, ça comme je l'ai dit, ça garde l'aspect légendaire parce que c'est vrai que maintenant il les donne tellement facilement. Il est ultra stylé, mais j'ai jamais pu l'avoir en fait, j'ai jamais joué avec. Alors, c'est un maître du clonage. Genre, comment on pouvait l'avoir? Vas-y. Tu connais Mélina, elle est championne d'arène, elle en a pas l'air, mais c'est une dure à cuire. Même les adultes ont du mal à la battre. Merci pour cette imitation. La capacité de ce créateur me permet de rejoindre instantanément une ville que j'ai déjà visitée, c'est incroyable. Hein. Oh là là, Deoxys. Sacré Pokémon. Je crois que d'ailleurs j'ai toujours le DVD du film, ça le fait. Il n'est pas en version française.
Je préfère que Notor. Je crois que c'est version québécoise ou un truc comme ça. Je suis venu Valorant pour du shopping au centre commercial, mais toutes ces pierres me dépriment. Centre commercial, ouais. Genre, pourquoi tu vas dans une ville qui s'appelle la capitale de la pierre? Voilà, tu pouvais la voir que... J'ai confectionné un squelette Pokémon Dresseur, je crois que j'ai pris récemment, j'en veux quelques-uns. J'en ai rien à foutre de vos sauts de balles là, bordel. Donc il le distribuait dans Ruby Saphir. Dans Emerald, il te filait un ticket pour aller sur une île pour la shop. Oui, je suis... Mais je suis softlock des sur... Bienvenue. Dans Diamant et Perle, il y avait distribution. Ah, cool. Nord et Blanc aussi. Et non, il avait ça. Après, ils ont plus rien fait, parce qu'à Omega Ruby, où il y a un event. Et depuis, il n'a plus jamais redistribué. Et ils veulent pas révéler leur secret. C'est fou, genre même Arceus, il est plus commun que Deoxys, abusé. Mais Arceus, c'est Dieu, c'est pas mal. Facile de trouver Dieu qu'un extraterrestre. Suffit d'y croire. Tac. Ah oui, je peux peut-être te vendre mes pépites. Hein. Merde. Après, de ce que j'ai compris, il y a un truc très très stylé dans Horace, mise en scène assez stylée. Oui, genre... mais c'est le seul jeu Pokémon que j'ai pas acheté depuis... Ouais, bah j'ai pas acheté les autres. Ah bah j'ai acheté les tout. Le Yonk. Ouais, j'avais pas acheté parce que la 3G, ouais, j'aime bien, c'est... mais sans plus de base, donc c'est pour ça que j'ai pas acheté. Il paraît que le remake est pas bien, donc dans tous les cas... Hop. De quoi, let's go? Non, Horace. Horace, j'ai jamais joué à la version de base, donc j'ai pas joué à la... Là, c'est déjà la région que j'aime le moins, en fait, ouais, donc... Too much water. Bah, non ironiquement... Oui, non ironiquement, je suis d'accord, je suis trop d'accord. C'est beau, c'est... Les gens sont connectés à l'époque, mais c'est vrai, en vrai. Ils ont introduit la CS plongée pour cette génération-là. C'est l'idée de merde, la CS plongée, c'est la pire CS de toutes. Avec Flash. Ça va, t'as 3 CS sur l'eau dans la génération. Cascade, plongée et surf. Cascade, mon dieu, quelle horreur. Il a gardé un jeu en CS. Après, Cascade. C'est des cauchemars. Bourreux. Mais quelle horreur. Heart Gold et Soul Silver, ça par contre, c'était des bons remakes. J'avoue. Le personnage de ce centre commercial se plie en 4 pour satisfaire les visiteurs. Il est toujours au petit soin avec les clients réguliers. Bah le truc de Lugia là, c'est sacrément stylé. Bienvenue au centre commercial de Volaroc. Hop, du coup ce soir c'est Oblivion les amis, bien sûr. Tac. Le meilleur jeu. Franchement non. Disponible maintenant en 60 FPS sur Xbox Series. Et Mathis, ta gueule. Alors. Ouais, le sprite... Non, j'ai une agréa. Le sprite de Deoxys dans... Emerald, il ressemble à la main de Zulman. Tout ça. Attends, je l'ai. Attendez. Je vais avoir besoin d'un peu plus de contexte. Je la donne sur le champ et vous me dites, dites-moi pas. Application compteur. Voilà, je la mets dans le général. Dites-moi pas qu'on dirait pas la main de Soulman. Je l'ai mis dans le général. J'avoue, il fait la paume ancestrale un peu. Putain. T'as vraiment une appli qui est juste là pour compter. Ah ouais, je m'en servais pour compter les EV. Non, c'est la calculette ça. Ah merde, ah oui, non, c'est. Là, c'est juste appui. C'est pas genre le compte pas. Je crois que c'est le compte pas ça, non? Non, c'est autre chose. Je l'avais déjà le compteur de pas. Là, c'est juste t'appui. Bonjour, je peux vous renseigner? Ça ira, merci. Puis-je trouver une belle robe pour un super chaud concours? On va dire, comment on change de vêtements, bordel? On essaie de trouver, parce que c'est pas possible en fait. On donne des vêtements de platine, je sais même pas comment les mettre. Note d'aventure. Donc elle servait à rien jusqu'à présent. Hop. Ken, clé, explorer kit, bicyclette, botte à peaufine. C'est pas ça quoi. Comment on fait? Je reviens. Voir le perso. Non, c'est pas ça. La l'oreillette qui a des grosses promos Black Friday ce vendredi, je check. Eh ben, on succombe au capitalisme maintenant, Amine. Ouais, c'était pas déjà vendredi, Black Friday? C'est ce vendredi ici. Hein? C'est ce vendredi ici, le Black Friday. Toujours le dernier vendredi du mois de novembre.
Ça a pas commencé depuis la semaine dernière, ces conneries là. Ah, bah t'as toujours les Black, Black Friday. Oh le bordel. Putain, j'ai acheté ma webcam il y a deux semaines, c'était déjà un truc Black Friday quoi. Oh, ça bah, suffit les conneries. C'est toujours nouveau maintenant. C'est quasi pareil, hein. Il faut ça pendant deux semaines. Ok, du coup, il va y avoir quoi pour le super vrai Black Friday? De l'oreille et Demon's Souls PS5 à 30 balles, du coup. Bah ouais. Ça m'intéresse. C'est bon. Hop. Ah mais ça suffit. Eh le chat, j'ai plein de bots sur le chat, ça veut rien dire. Enfin genre ils parlent pas mais dans les viewers c'est trop inquiétant. D'habitude j'en ai pas autant là. Là ils m'inquiètent là. Tu sens qu'à tout instant ils peuvent attaquer. Et bien ça fait monter le nombre de viewers ça. Non même pas. C'est bien, c'est ça fait rien du tout, ça fait juste peur. Repos, hop. De toute façon y'a plus de gens le soir sur mon stream. Hop. Tac tac tac. Ah ouais putain, laser glace, tonnerre, lance-flamme. Ah ouais, gyroballe. L'ancienne. Bon, on va faire comme les vrais. Quand j'ai accès, et c'était, je viens toujours ici les admirer. Un ami a voulu me donner un match chopper pendant un échange réseau. Bizarrement, ce n'est pas le Pokémon que j'ai reçu. Ah ah. Re les gamers. T'as le traditionnel pack Switch avec Mario Kart de chaque année. Ouais, j'ai reçu le communiqué de presse pour ça. Il est là, il est de retour, on l'aime bien. Du coup, ouais, ça montre qu'ils sont pas prêts à s'en débarrasser de la Switch normale. Ouais. Oh, pourquoi tous ces viewers là? Non, mais t'as vu, les bots ont peur là. Surtout, ça montre qu'ils sont pas prêts de se débarrasser de Mario Kart 8. Attends, ça c'est pour faire des. C'est pour faire des trucs dans la maison, ça, dans les grottes. On va un petit peu les souterrains après. Mario Kart 9 a dans 10 ans. Si tu veux capturer un Pokémon dès le début du combat, qui ne rappelle pas. Sur Grandma. Dis plus jamais ça. Ah, ce traumatisme, oh putain. De quoi? Oh, bah, le jeu Mario Kart. Je lui ai dit, il existe déjà Mario Kart 9. Ah ouais, merde. Ah, faut pas parler de ça. C'est ma problème de rater un système de gacha, quoi. Je crois, hein. Tu es ressource, non? Alors laisse-moi tout faire, c'est piquant. Je me remercie, bah, on fait plaisir. Les piquants? Imitation, encore une fois, un chef-d'œuvre. Ah bah, ouf, mec. Roi du doublage. Tu es un peu le doublage. C'est la première fois que tu vois deux types musclés à la queue lolo. Ok, le jeu. Je suis finalement à Smagan depuis des années, tout le monde me connaît. Mais j'avais pas réalisé, mais c'est vrai que le moment dans Skyward Sword où tu perds ton épée, c'est le seul moment où du coup Faye ferme sa gueule en fait. T'étais mieux en 2D quand tu fermais ta grande gueule. Me pousse pas à bout là, je vais encore sortir des références. Hop. Ouais, il y a des trésors cachés dans les hangars de Team Galaxy, il paraît que ça te permet d'apprendre vol, mais non. Ah, sont là les petites pierres de Deoxys, là. Ah oui, nice. C'était bien. C'est les météorites de Voila Rock. Ouais. Ce qui fait la célébrité de cette ville. Tic-tac, j'aime voir cette tige battre le rythme, c'est d'une beauté. Tiens, c'est pour toi. Vous obtenez Deoxys. Je l'ai cool. Attends, quoi? Mais trop joli. Parlons SPNJ. J'aime beaucoup les mangas. Vous obtenez Sangoku. Ah putain! Un jour, une météorite est tombée une ville et née. Ça m'inspirait presque une chanson. Vous obtenez Deoxys. SPNJ qui fait des trucs au pif. Hasard du coin, mode sans distribution. D'accord. Tiens, j'ai un Deoxys! Putain, voilà, l'épée légendaire. C'est le plus grand Deoxys que j'ai jamais attrapé. Cette boîte va là. Oh, c'est un goma! Ah, il y a tant à faire, j'ai l'impression d'être au four, au moulin. Tiens, voilà le Pokémon légendaire. Rejoins-moi, Link, et ensemble nous rayons sur Koridaï. Mais une fois que tu auras nettoyé tous les parcs Alucino, nous pourrons parler de pitié. Allez, emmène-le. Oh, la musique là, wesh! Il se passe quoi là? Bah, c'est le casino.
Ouais, c'est le nouveau casino. C'était un casino avant, ils ont ah, c'est là qu'on peut changer les vêtements. Oui. Encore un coup du walkie. Ils ont délocalisé tout ça. Et je ne sais pas quoi acheter, c'est terrible. Et le casino remplacé par H&M. Bonjour, dans votre boutique, vous pouvez faire votre look et votre coupe de cheveux. Je reviens pas, il n'y a plus de t-shirt à l'effigie de Mélofée, ils ont tous été vendus. Il y a une puce Mélofée. C'est Initial D, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ils sont fous là. Ouais, il est Sweet Pikachu, Bougeon Evoli. Ah, c'est un remix. Pam, 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 pam. Cher sa mère, les tenues. Ça vient de c'est notre musique, du coup, de base. Ah ouais, putain, j'avais pas vu que c'était aussi cher. Ouais. Putain, elles sont trop bien, les tenues. Ils ont mis tout l'argent dedans. Ouah, wow, trop bien, la dernière. La dernière, c'est la meilleure. De ouf. Hop, ça fait un petit peu plus de $120 partout. Comment je change mon vêtement? Ah voilà. Et voilà, on met le look platine, là on est content. Merde, oui. Let's go. Les meilleures tenues que dans l'épée et bouclier, j'ai ça. Oh, ça va quand même, ça peut faire plaisir. Vous avez vu, si vous prenez Legend of Arceus assez tôt, vous aurez un super masque de renard. Ah oui, c'est vrai. Ils ont encore rajouté une mission Event Shiny en post-game. Où est donc passé mon mouchoir? Il n'y aura pas une mission avec Shaymin, ouais, c'est ça? Si, si, si. Mais c'est aussi un truc qui faut mais où est-ce qu'elle est passée? Mon petit ami Paris Salanti, je la cherche là de ma loupe, je ne vois rien. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des personnages de couleur à partir de la 5ème ville, genre la moitié du développement, ils se sont dit ah merde! Oh merde, putain! Bah, vraiment, putain, toutes les premières villes, il n'y a que des blancs. Et là, depuis Lyonpolis, c'est beau. Parce qu'en réalité, t'as passé la frontière du haut. Pardon, c'est ça. Pour 20 balles. Ah ouais? C'est pas la donne nulle. Mais non, il est bien. Mais 20 balles, on le prend, hein. On va l'écouter. Eh, c'est pas une dette. Tu comptes tenter ta chance dans l'arène? Ouais, tu n'arrêtes pas de t'améliorer. Et moi, bon, je suis allé acheter des bricoles, centre commercial. Mais ça ne va pas croire que j'oublie de travailler sur mon Pokédex, hein. Enfin bref, continue comme ça, on se reverra. Putain, c'est vrai que t'as un rival dans ce jeu. Merci. Non, c'est pas lui, c'est Magus, mon rival. C'est le blond, ton rival. Lui, il est juste, il est chill, il est au calme. Le blond que j'avais appelé Cédric parce que je détestais le dessin animé à l'époque. Ce putain de fétichiseur d'Asiat, là. Il y a beaucoup de magiciens sur le monde, mais je suis sûr qu'un 5% d'entre eux possèdent vraiment des pouvoirs. C'était plus original que de l'avoir appelé gros con. À la base, tu es déjà allé à l'arène de Valorant, beaucoup de gens sont en train d'en dire. Les gens sur Let's Go avaient appelé le rival avec des noms horribles et tout, sauf qu'en fait le perso, lui, il était trop sympa, du coup les gens les regrettaient. Ouais. Là, je me souviens plus que ça s'appelait Luca, le protag de Mike Parle. Parce que tout le monde se souvient d'Aurore parce qu'elle était dans le dessin animé. J'avoue, lui, il est jamais apparu, quoi. Ça. Alors, on commence à fatiguer, pas vrai? Oh non, je parle pas de toi, mais de tes Pokémon. Je peux masser l'un d'entre eux si tu veux. Oh bah let's go. Ça fatigue un peu, hein. Ouh. Hop, allez Ken, on va te faire un petit massage. Oh. Si, bah allons-y mon petit, on s'éteint. Vendredi, je me levais à 7h du mat pour aller devant le magasin. Kanozu a l'air détendu. 20 balles, ça. J'ai trouvé ceci en attendant ton Pokémon. Ok, il avait un saut sur regardez lui. Regardez le petit Pachirizu, là. Il y a des Monsous à 30 balles, c'est quoi le mieux? Spider-Man à 20 ou des Monsous à 30? Demon Souls. Oh, Demon Souls quand même. Oui, non mais même moi, je te dis vite en vrai. Mais il y a trois mecs qui t'ont dit Spider-Man il est bien, mais je pense Demon Souls quand même mieux. De toute façon, il y a Elden Ring dans. C'est quand même plus un vrai jeu quoi. Full Touched. Ça dépend, est-ce que tu veux te détendre ou est-ce que tu veux te faire du mal? Elden Ring, bonne question. Par contre, je te dis, c'est vraiment le plus dur de tous les Souls. Hein. Ah ouais? Oui. Toi, tu l'as pas fait, tu peux rien dire. Ah non. Tu l'as pas fait, tu peux pas dire. La personnalisation des. Mythoman. Mais moi, je l'ai fait. Mythoman. Je l'ai fait hier. Mythoman absolu. Pour éviter le super lab courage, je passais par la route 214. D'accord. Bon. Black Collet. Bon, c'est quoi comme arène? Franchement, mon boss préféré. Bornier, le roi des démons. Ouais, on est d'accord. Billy Borneau.
Par contre, en Demon's Souls, j'ai littéralement cheese de boss, parce qu'ils étaient vraiment infâmes. Oui, tu m'avais dit le Kenny, non, c'est l'anthropophage ou... Ouais, en fait, ouais, ça, c'est les des gargouilles, mais en version ultime. C'est quoi le nom du monde déjà? C'est un truc qui est un truc bouffard, ouais, c'est... machin. Ouais, c'est anthropophage, ouais. C'est drôle, vache, en fait. Ces deux monstres, ils sont... c'est vraiment les trucs les plus durs que j'ai vu de tous les Souls. Hop. Putain, j'aurais bien prendre une PS5, répète. J'hésite. Le mec il dit ça. Ouais, c'est ça, le mec il dit ça comme si tu pouvais juste aller en magasin en prendre une. Oh, j'aurais au Micromania, j'aurais demandé. J'ai rien commencé à la chercher quoi. J'ai réfléchi quoi. Le mindset. De toute façon, le temps que tu la trouves, je pense que t'auras réuni l'argent. Ah ouais, c'est une arène combat, c'est ça. Non, mais l'argent je l'ai, c'est juste que j'ai vraiment. Melina, champion de cette arène, utilise des Pokémon type combat. Les Pokémon de type normal tremblent face à elle. Mais j'entends dire que les Pokémon type Vol, Psy et Fée n'étaient pas son fort. Et le fait, ils l'ont rajouté, le type fait. Ils vont peut-être un jour résoudre leur problème de stock, non? Attends, c'est pas avant l'année prochaine, à mon avis. Hein. Oh, okay. Oh, il est mignon, quand même. Là, j'ai mon pote, il galère à trouver sa Xbox One, là. Enfin, sa Xbox Series X. Je crois que je prends Spider-Man, je suis pas trop Demon Souls, je sais pas. C'est pas c'est il est pas dans le mood. C'est quoi la suite? Genre, j'ai envie de jouer à Elden Ring, pas à Demon Souls, en fait. Non, t'as... Bah, t'as tort, ce qui est très bien. Ton ah, je jouerai sûrement un jour. Hein, mais... Après, Spider-Man il est chill. Hein. C'est un bon jeu popcorn. Ouais. Surtout que j'avais envie. Surtout 20 balles, c'est rien. Quoi. J'aurais pu prendre plus. L'histoire elle est sympa. Enfin. T'as caché le karatéka. Oui, mais toi, toujours Xbox, je peux pas parler, toi. Oui, j'avoue. Le clash. Non, regarde, j'ai joué à l'excellent Gunsgore and Cadoli. Voilà. Xbox, il te propose un petit Psychonauts 2, tu fais oh, roupiche. Il sort Halo, tu fais real shit. Non, t'as pas fait Psychonauts 2, c'est le seul jeu Xbox sorti cette année. C'est-à-dire le meilleur avant de me rappeler de la réalité de la situation. Il y a Forza, hein, j'y ai joué. C'est le gros manuel là, c'est bon. J'ai fait deux jeux, c'est pas... Ah, ils ont pas encore mis toute l'OST de Psychonauts sur Spotify, ils le savent. Oh, le y'a que la partie 1, mais y'a pas la musique chantée qui est trop bien. Oui, en vrai, j'aimerais bien faire le 1, mais je sais pas si... Oh, le bébou Thibaut, il s'est pas lancé YouTube. Bah, bah oui, YouTube, bah, tu te balades dans la rue, oui. Tu peux faire le 2 direct. Bah, tu mets 20, tu mets la lecture en arrière-plan. Mais, oui, mais quand tu mets le téléphone en bloqué, tu peux pas écouter. Bah si, avec Vent. Oui, c'est bon, vos petites applis là, voilà, de voleurs encore là. Vent. Oui, bah, voilà, c'est pour ça que t'appelles là. Oh, il va voler une grosse corporation, le bébé. Voilà. Ah, moi je m'appelle pas Mati sur ce qui drôle là, je fais oh tiens, un bon jeu. Ah non, je vais plutôt prendre ce jeu hentai de merde là. C'était nos meilleures soirées, tu sais. La meilleure VOD. Hop. Ouais, écoute, je sais ce que je fais vendredi à 10h du matin. Je camperai devant le corps. Ah, je vais te... devant les Game Awards. J'espérais. Oh putain. Comme ça, on pourra jouer au mode online. Le fameux mode online. Il existe. Le mode Battle Royale. Et tu peux jouer Spider-Man aussi, t'as le DLC. Oh merde. Il a l'air fun le gameplay. Spider-Man vieux. Oui, tu joues un Spider-Man à la retraite. Oui, c'est comme les super-héros dans Bob l'éponge. Le moment où il met 40 tapes dans les airs là sans toucher personne. Vraiment, ça me donne envie de le. Ah, on peut les pousser comme ça les trucs, putain. Il est seul le Black Friday sur le jeu. Ouah, y'a Among Us à 4$ au lieu de 5$. Oh, y'a des jeux qui viennent de sortir qui sont déjà soldés, genre les pauvres mecs qui ont acheté Tetris Effect ou Sonic Colors. J'avoue. Ils sont baisés.
Sonic Colors aussi, on a pris. Ouais, bah après Sonic Colors, Day One, ils s'étaient déjà baisé les mecs, donc de toute façon. Ouais, t'en as enfin, mais c'est le prix, est-ce que je veux. J'ai pas d'argent. Ça. Le dilemme. Le dilemme. C'est normal ou le Sorona? Oh, c'est normal. La malédiction du. Et tout, évidemment, c'est pas à toi que je dois. La vie biaisée. Écoute, dis-toi, dans Torna, il y a une quête obligatoire, tu dois ramasser des poubelles. Oui, heureusement, dans Spider-Man, il n'y a pas ça. Fois que tu parles du jeu, tu me parles de cette anecdote-là. Putain. C'est impossible de l'oublier. Putain. Je sais que je sais du jeu. Ah, mais surtout qu'il va jamais être fait, en fait. Mais bon. Je vais voir, c'est qu'aux yeux, c'est pas chez nous. Pourtant, le scénar est mec. J'attendais naïvement que Breath of the Wild baisse de prix. Écoute, hein, je l'ai en cartouche, une fois que tu viens, je te le prête, le Torna, et on ne parle plus. J'ai été naïf. D'ailleurs, il sort quand Breath of the Wild 2? Demain. Ah, c'est un peu tôt quand même, hein, je trouve. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces. Ah oui, dans Miles Morales, t'as un item Big Wheels. T'as un collectable Big Wheels. Sérieux? Non, mais est-ce qu'il y a un item The Wall? Un mur. C'est vraiment les meilleurs ennemis de Spider-Man. Ils font pas un film avec eux comme antagoniste. Et le méchant, c'est Elon Musk. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Ce que j'en ai. Oui, c'est vraiment Elon Musk, le méchant. Après, le méchant asiat du premier, il y a le méchant Elon Musk. Non, le méchant dans le premier c'était François Hollande, qu'est-ce que tu dis? Oui, le vrai méchant. Qu'est-ce qu'il veut l'autre là? Mime Junior là. Le Mime Junior là. J'aime bien le taquiner. Au fond, c'est mon copain comme les deux autres là. Les deux autres là. Les deux cons là. La fois sur cette stream, j'ai un peu l'impression d'être le protagoniste. D'accord, même Julien. MJ. Draco de droite. Qui traite les gens de PNJ. Ça m'a pas surpris. Allez, on se fait le dernier là. Hop, on fait la run, après on s'arrêtera là pour cet après-midi. Putain. Ne sera pas rediffusé. Non, ça va, vu qu'il s'est pas passé grand chose dans le jeu, on a bien meublé. Ah ouais. Mais... C'est quoi, c'est encore ma faute? Ah, non, pas du tout. Choc psy. Le disque dur 1 Tera de CD pour la PS5 à moins 100€, genre c'est quoi ces douilles? Oui, il vend 12 exemplaires. Peut-être que ça se vend pas du tout. Ouais, peut-être. C'est comme les cartes détention de la Xbox Series, hein, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui doivent l'acheter. Hein. C'est... Moi j'ai juste des relents des cartes mémoire PS Vita quand je vois ça. Quoi. Ah ouais, j'hésite. Attends, je pense. J'ai pas déjà assez de jeux comme ça à faire. La carte mémoire Xbox 360, oui, mais il m'avait filé Lego Star Wars 3 dessus. Il fait vraiment un intérêt à consoum. La devenir bouddhiste. J'ai doublé pour réfléchir. Ça ne sert à rien de consoum, mais. Tout ce qu'on fait, c'est consoumer et attendre le prochain trailer d'un autre jeu auquel on va pas jouer. Attendre la mort, tu peux le dire. Voilà, exactement. Ouais, bah avant de mourir, je veux qu'on s'ouvre un maximum. Tu joueras Mario 32, tu vas faire c'est trop bien et tu vas mourir après. Tu pourras pas jouer Mario 33 alors que t'auras vu le trailer. Moi, sur mon lit de mort, putain, j'aurais voulu qu'on s'ouvre plus de médias. I wish I had more time to consume. J'aurais voulu engraisser le capitalisme un peu plus. À l'époque, t'avais des gens qui disent ouais, meurs pas avant la fin de Game of Thrones. Bah putain, il aurait mieux fallu mourir avant. Hein. La violence. Ce sera peut-être le cas pour One Piece, hein, qui sait. Faut pas dire ça. Quand t'as une vague de spécialisation. Bah après, bah, Game of Thrones, il y a encore les livres, hein, techniquement ça marche encore. Oui, non, mais plus personne s'intéresse à Game of Thrones maintenant, c'est triste, mais. Ouais, y'a le spin-off, je vais le mater. Hein. Oui, toi, mais.
Enfin, je sais pas si les gens s'y intéressent encore, mais en tout cas ça en parle plus alors que One Piece. Hop. À mon avis, la fin ça va être quelque chose. Chaque chapitre de One Piece il part en TT, donc bon, ça va, les gens s'y intéressent encore normalement. Dommage que bah, c'est bien One Piece en ce moment, donc oui. C'est drôle voir les TT genre One Piece 1032. One Piece 2 milliards. Dommage que les combats durent un putain de siècle en One Piece. Pour le coup, l'arc actuel de One Piece c'est un des meilleurs de la série. Je sais pas, je me suis arrêté, faudrait que je le... J'aimerais bien qu'il avance l'arc, parce que c'est bien beau, mais... Bah je le trouvais un peu chiant au début, donc ça m'a un peu fait... Ouais, voilà, bah, c'est le problème. Je trouve qu'il passe... Fini, là. Trop long. Quasi fini, il y a plein de trucs qui sont pas résolus, c'est quoi ça? Là, dans le manga, si, l'arc est complètement fini, hein. Et comme d'hab, on dit c'est le dernier gros arc, alors qu'à mon avis, il y en a 20 d'autres derrière. Oui, on en a encore au moins un, après le coup, dernier moi, vrai gros arc. Un ou deux gros arcs et c'est fini, hein. Non, ouais. Ouais. C'est vraiment proche de la fin, hein, pour le coup. Vous que je relise tout, parce que j'ai marre, enfin... Oula. Attends, hein, la fin... Bon, bah, je l'ai fait en quelques mois, tout One Piece. C'est pour ça que je l'ai peut-être un peu fait trop vite, tu vois. Je pense qu'il va falloir que je reprenne une petite dose. Dose Z, hein. Déjà une, deux, trois dos, c'est pas suffisant. L'autre personne se rejoindra pas l'équipage. Ouais. Tout le monde se l'était mis en tête. Bah, Jinbei, il a rejoint l'équipage, non? Hop, c'est dit, je spoil pas. C'est pas un spoil parce que je guess, hein. Bisous, Kano. C'était juste une grosse théorie. Bisous, Kano. C'est moi la championne. J'étais une grosse théorie de fan à l'époque. Salut, c'est un bien temps à rencontrer. Je suis Milena, la championne de cette arène. Qu'est-ce que ça signifie être fort? Comment je suis une championne d'arène? Personnellement, j'en sais rien. Ah bah tout ça. Je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon titre. Je prends le combat très au sérieux. C'est quand tu veux. Bagarre, bagarre, bagarre. Pim, pim. Ils sont trop stylés, champions d'arène de cette génération. Mais gna gna, tu vois ton petit avis, lui a son petit avis partout, là, toujours. Mon seul avis, c'est il y a mieux. Il y a mieux ailleurs, donc. C'était mieux avant. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a mieux, Marco? Je sais pas... J'ai pas d'exemple, mais je vais trouver. Le champion de type foudre, il est trop stylé dans celui-là. Mais il est déprimé, daron, là, le pauvre, il a besoin d'aide. Et Adrien du Conseil 4, il est trop stylé. Il a besoin d'une Attends, c'est thérapie. Le type feu, ouais. Adrien, ouais. C'est pas celui qui a un lapo-oreille, que des types feu en foot. Peut-être. Si, c'est ça. Il a genre zéro type feu dans Diamant et Perle, je pense qu'ils l'ont corrigé parce qu'ils l'ont corrigé dans Platine. Je pense qu'ils l'ont corrigé à nouveau dans les remakes. Enfin, j'espère. Ouais, tu lui demandes beaucoup. Déjà qu'ils ont pas corrigé la lumière. Mais si on regarde c'est RTX on. Bravo Copan qui aura juste bourré Shock 6 toute l'arène. Sur 5 Pokémon, il avait genre 4 types pas feu. En même temps, faut faire avec les moyens du bord, écoute. Ah ouais, là, Enfin, je me nerve. Ils se sont rendus compte trop tard. Ah ouais, attendez, on a pas de type feu là. Faut que je me nerve un peu, mes Pokémon ils ont pris trop d'avance là. Genre, il y a littéralement Mysticram et Ponyta, quoi. C'est vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Ouais, à chaque fois, les types feu ils sont radins sur les types feu en vrai, à chaque fois. C'est comme le type acier, hein. Putain, t'en as pas des masses, hein. Alors que putain, le type eau, ça y va, hein. Ah, ou que oui, les petits poissons de merde à chaque génération là. Personne les joue. Les petits rémorés, les petits poissirènes, on aime bien là. Je repense au design original d'Octopus et j'ai trop la haine. Ah, mais Octillery il sort trop du sol. Oui, enfin Octillery, pardon. Octillery, là-bas c'était un. Doc Ock. Octillery là-bas c'était un vrai tank et Rémorède c'est un flingue, mais du coup ils se sont fait censurer et du coup ça ressemble plus à rien. J'aime bien Octillery, bon c'est pas... Oui ça a aucun sens mais j'aime bien. Bah là-bas c'était un vrai tank quoi. On dirait un méchant de Mario je trouve. Ah je suis un connard. Voilà je me suis nerf moi même. J'aurais dû juste laisser Copen tanker. Et les types acier Lucario aussi non? Ouais c'est pour ça. Ouais c'est combien. J'en ai marre que Copen one-shot tout le monde. Le mec il est obligé... Ouais bah là c'est lui qui t'a one-shot. Tellement agréable à la manette. C'est qu'à voir ce soir de bravo le jeu.
coup critique. Grassement. Arrête de lancer des dents comme ça. Je crois que j'y suis dans le pétrin. J'ai utilisé une potion, je suis sûr. Et voilà, c'était sûr, mais c'était sûr. Putain. Super potion. Hop. Non, je crois que tu m'as refilé ta crève. Par Discord. Ouais. Ça arrive souvent en ce moment. La connexion est tellement stable que maintenant tu peux carrément. Allez hop, dégage. Allez. J'ai battu Mélina la championne. Je dois reconnaître ma défaite. Je suis pas de taille à te battre. Très bien, tu as gagné. Quel combat, j'ai beaucoup appris. Accepte ce bâche, s'il te plaît. Boum. Mélina vous donne le badge pavé. Ah, super. Tu vas pouvoir les manifester. C'est un badge officiel avec Pokémon. Grâce à lui, tu peux utiliser la capacité secrète vol avec tes Pokémon entre. Mais ce n'est pas tout. Mais quel point commun entre les Pokémon combat et les Pokémon vol? C'est pour toi. Vous recevez le seul utilisé par Mélina. Vous avez la CT60. C'est quand que tu sauves le monde, du coup. C'est quand tu as une vampire point qui affiche des dégâts. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai faim, moi? Ah non, j'aurais dit, tu entendais voix. Au fait, Spellunette, je pense que la force ne s'explique pas. Et je sais pas à quel point il faut s'entraîner pour devenir fort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'aide de nos Pokémon, on peut se surpasser. C'est Saitama, c'est pas pourquoi il a dû craquer. Hop. Bon, on va. Saitama, mais sans la voix d'Orelsan. J'avoue. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'aime pas le morceau L'odeur de l'essence où je vais le faire défoncer? J'avais pas écouté, donc. Oh, je comprends que les gens qui l'aiment pas. Ce que tu veux. Hop, moi j'aime bien le clip, surtout. Tu peux mettre un service. Je trouve le morceau très très ironique. Pitié de me récupérer, tu peux me rejoindre devant les hangars dès que possible s'il te plaît, je compte sur toi. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est Suicide Social 2? Ouais, mais en soft. En soft, en très soft. C'est vrai que cette fois il n'y avait pas eu remarque sur les PD, ça marche. Bah non, c'est ça, comparé au Suicide Social, que c'était vraiment odieux quoi. Hop. J'aime bien Casseur Flotteur Infinity, c'est vraiment chouette. C'est le morceau le plus inoffensif du truc, quoi. Ouais. Bon, moi je vais y aller. Ok, bisous, mec. Ce fut un stream fort agréable. Évidemment, le morceau il cite. Et oui, évidemment, le morceau il cite le Magic Boga, surtout. Allez, salut. J'ai pas de dégoût parce que j'avais un peu la flemme, justement. Hop. Mais je trouve juste ça très ironique qu'un morceau qui se plaigne de la polémique soit aussi polémique. Qu'un morceau qui dise que les gens ont pas le temps de digérer les informations te balance un nombre incalculable d'informations à la seconde. Pas le temps de niaiser. Hop. Comme quoi. Mais moi je trouve que t'es très ironique. Pourtant j'ai beaucoup aimé par contre La Fête est finie, c'est un album que j'avais adoré. Surtout. C'est l'album de la maturité comme Norman. Et surtout ironique ta mère. Hop. Je suis ironiquement incroyable. T'es pas d'accord? Ah ouais, ça va être le français la prochaine fois. Hop. Allons dans le sous-sol. Ah, c'est bien. Faire un petit peu de ça, je pense à être là. Hop. Oh putain, j'en peux plus. Oh, le pire, c'est vraiment la toux quand elle est arrivée. Ah bon? La maison de toutou. Un petit peu de souterrain là. Pourquoi il y a des trucs qui brillent ici? Je vais faire quoi avec ça? Ah, le mur un peu. Oui, il faut creuser. Bam. T'as jamais fait? Ah, si, mais la dernière fois ça voulait pas. Alors, il y a un message pour un kit. J'ai mis un marteau et une pioche dans l'explorer kit. Tu puisses exhumer le trésor des sphères. C'est l'outil. Est-ce que tu t'occuperas que le mur de sa fesse? Tu peux le faire. Bonne chance, petite. Ça sonne creux, trop loin de te détecter. Putain, le démineur. Franchement, oui.
Vas-y, il est où le thème là? Ah mais ça aussi c'est une couche, ah ouais. Ah! J'ai vu que c'est une merde. Oui. Le dernier aurait piffé dans le coin. Dans le coin. Non. Dans le coin. Putain, y'a rien. Oh, la faute à Matisse encore. J'ai pas fait exprès. Tenez une sphère verte. Tenez un coffre élégant. Le coffre se met à briller. Ouais, une statue de Togepi. Putain, trop mignon. C'est comment qu'on fait nos maisons déjà? Mais il faut aussi une base secrète. C'est Ouais. Faut, je sais pas, faut un kill base secrète. Ah ouais. This is fake news. Hop. Et là c'est les petites salles où t'as plein de Pokémon. Ouah. Castorno. Grosse bouton d'Alger, on s'en fout. Machoc. Un Tilton. Vas-y, on va essayer de choper. Tilton sauvage apparaît. Copain, j'ai confiance en toi. Putain, niveau 33 le boug. Rue Protect. Oh, le sac. Ouais, j'ai pas un Pokémon qui m'endort déjà là. Parce que c'est le Tilton qui m'endort là. Côte garde. Ah si, c'est le Spectrum, je crois. Ouais, il est là. Hop. Vas-y Roro, endors-le. Tac. Ah, le sommeil. Quoi, il évite l'attaque? C'est une blague. Draco charge, pardon. Pardon. Mais il évite tout. Oh le prank, ça tourne mal hein. Putain Spectrum, t'as pas géré là. Clairement t'as pas géré. C'est pas bien. Vas-y, hyper boule là. Une figure de style. Putain, mais ça marche pas! Oh, il est relou le Tilton là, en plus c'est vraiment le Pokémon, il est osef quoi, ça suffit.
Mais bordel! C'est grand dingue, hein. Plus c'est garanti, si je leur frappe, il meurt ce con. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien du tout en plus. Non mais c'est abusément là, c'est abusément débile en fait. C'est abusé. Ta gueule toi. Putain, il rend ouf aussi lui. J'ai l'impression que c'est un CE de douleur. Mais putain, mais. Ouais, mais attends, celui qui m'endort, super, le Spectrum. Le Spectrum là, le mec il a évité deux fois son attaque là. Comment tu fais pour être aussi nul? Allez, je m'as foulé, je me casse là. Puis s'il m'endort mon Pokémon, là, il casse toi. Là. Mais non, Choupi. Ouais, non, il m'a saoulé le Tilton là. C'est vraiment des Pokémon dont j'ai aucune idée. Ventimologie. Tilton. Ça veut dire connard. Un coton? Non, c'est que ça veut dire connard. Putain, il m'a saoulé là. Alors. Spectrum, d'où ça peut venir? Le Trump, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il devient Donald Trump? On n'entend plus parler. Mais, il a pas lancé un réseau social là? Bah non, il était. Ah, c'est ça qu'il a, c'était là. Il a été viré de Twitter. Ah bah ça. Ah, je me suis dit. Putain, le Tilton de mort là, il m'a saoulé. Non, mais il mettait un message sur chacun de ses tweets en mode ces infos pourraient ne pas être factuelles. Moi, j'essaye en ligne plutôt. Hop. Ah, un biome sable. Oh, mieux que de mox. Ah, un Draco. On va enfin avoir Draco. Rapion cheval apparaît. Bon, cette fois-ci, tu l'endors. Hein, ça va. Mais il est vite là. Mais il est. Mais elle a un taux de. C'est une attaque qui touche pas du tout ou ça se passe comment? Pourquoi à chaque fois ça marche pas hypnose là? Ah bah voilà! Truc de ouf! J'aurais peut-être dû l'endormir après, mais bon. Non, je sais pas. Vas-y. Allez. Allez. Oui, c'est bon. Oui. Oui, on a Draco. Il saisit sa proie avec les crochets de sa queue, lui injecte un poison tenace, il refuse de lâcher prise jusqu'à la toxine fasse effet. Tac, je vais envoyer le screenshot à Draco. Draco. Sur ça, t'as passé une bonne journée, Mathis, avant que je t'insulte. Bah, j'étais au labo et je suis toujours un peu malade, donc c'est un peu chiant, et puis bon, y'a pas grand chose à faire. Ça, c'est trop triste que tu me dis. Mais bon, ça va, c'est... il me reste deux jours, et puis je fais une grosse pause dans mon stage. Let's go. Parce qu'en fait, globalement, en master de sciences, t'as pas mal d'internes en fait, de médecine. Mm-hmm. Et qu'il faut un master 2 pour faire une thèse de sciences derrière, pouvoir accéder à un poste de médecin chercheur, tu vois, ou de médecin enseignant. Il y a pas mal, beaucoup d'internes de médecine, genre vraiment genre un bon tiers, tu vois. Bon, c'est pas un tiers, non, un quart. Et en fait, les internes, bah, ils prennent leur disposition dans leur ville que vers novembre.
Ce qui fait que les cours en master de sciences, ils peuvent vraiment pas commencer avant novembre. C'est pour ça qu'ils nous disent, bah écoutez, allez faire un autre stage en octobre et puis vous reprendrez, vous reprendrez au deuxième semestre, quoi. Ça vous fait un mois, comme ça. Alors, l'écran. Derrière, là. Ah, un truc, là. Hop. Une plaque combat. Ah, putain, mais c'est vrai qu'il y a le type fée, du coup, dans ce... Oui. Putain, ça fait bizarre. Du coup, il y aura une plaque fée pour Arceus, je crois. Bah du coup, tu l'as eu tout à l'heure, c'est à quoi je pensais, c'est que... C'est pas le premier truc que t'as eu Non, c'était une boîte avec une... C'est des boîtes. Ah merde. Avec une peluche... une statue Togepi, là. Non, non, tu les trouves sur le dans le jeu normal, les plaques. Mm. Oui. Le mur s'est effondré. Après, je sais pas si... Sphère rouge. Je sais pas si... Regarde, tu vois, c'est ça. Ah oui, oui. C'est un gacha. Ouais. Oh, c'est flouté. Charmina. Oh putain, je vais l'acheter, ça me saoule. Mais moi, je me saoule, là, tu vois. Le mec, il m'envoie un DM bizarre, là, pour ne pas acheter le jeu, là. Et je vais l'acheter juste pour l'explora kit, quoi. Juste parce que c'est stylé. Ils ont mis le gacha dans le jeu, mais moi, je suis en mode... Oh. En plus, c'est du online, mon gars. Bon, je vais faire ça. Du online sur l'explora kit, mon gars. Ok, ça, c'est par contre, c'est base. Allez, encore un petit coup, après on s'arrêtera là pour... Hop. Ah. Je suis content, j'approche de la fin de... de Skyward Sword, là. Ah bah non, ça consume, hein, Pikmin 2 hier, Skyward Sword aujourd'hui. Ah mais je suis que ça fait 6 mois que j'ai pas fini un jeu, là, je suis trop content. Bon, là, c'était une vraie satisfaction. Voilà. C'est quand même mieux de finir des jeux que de pécho ou je sais pas quoi. Là. Pardon. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Hop. Comment on sort? Ah oui. Hop. Tac.